Pourquoi le Var ne coule-t-il pas dans le Var? En effet, le Var, le fleuve le Var, ne coule pas dans le département du Var à aucun moment, mais uniquement, enfin pas uniquement, mais se termine dans le département des Alpes-Maritimes. C'est étrange! L'explication est historique. En effet, à l'origine, le Var coulait bel et bien dans le Var. Mais quand en 1860, la comté de Nice, en même temps que la Savoie, vont être annexés à la France, rattachés à la France, suite. Alors, j'ai fait une vidéo sur cette question-là, donc je vous invite à aller la voir. Donc, il y a le. C'est suite à l'aide que la France a donnée au Piémont-Sardaigne face à l'Autriche. Il y a un référendum qui soit organisé, du coup, en échange de la Lombardie, qui est donnée au Piémont-Sardaigne. Référendum à Nice, comté Nice et en Savoie. Il donne une victoire, bon, référendum truqué comme tous les référendums sous l'Empire, mais il donne une victoire, du coup, au oui. Le comté de Nice est donc rattaché à la France et ça fait quand même un département assez petit. En plus, pour éviter que ce soit un département uniquement composé de territoires nouveaux, on décide de rattacher une partie du Var à cette, au comté de Nice pour créer du coup le département des Alpes-Maritimes. Or, la partie du Var qu'on rattache aux Alpes-Maritimes, c'est la partie où coule le Var. Du coup, le Var quitte le Var et passe dans les Alpes-Maritimes. Voilà, c'est terminé pour cette mini vidéo, mini réponse à cette question que l'on m'a posée. J'espère que ça vous a intéressé, c'était rapide. Donc je ne vais pas être plus long sur la conclusion, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager si ça vous, la réponse vous intéressait. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos vidéos. Au revoir tout le monde!